Bonjour, alors je reviens aujourd'hui pour vous parler de la robe Bylen Top and Dress de Pauline Alice. Donc c'est un patron gratuit, information comme super cool, qui se décline en haut et en robe. J'ai décidé de le faire en robe. Alors c'est un patron qui a une particularité qu'on retrouve, moi c'était la première fois que je rencontrais ça, c'était un patron qui demande de couper le tissu dans le biais. Alors je ne l'ai pas fait. Voilà, donc déjà ça commence mal pour mon retour d'expérience, mais non, je l'ai pas fait parce que j'avais juste 1 mètre de chaque tissu et que du coup c'était pas possible et qu'en fait j'ai choisi 2 tissus très fluides et légers, donc je me suis dit que ça devrait passer parce que j'étais renseignée et en fait quand on coupe dans le biais, du coup on rend le tissu un peu plus élastique et en fait ça permet de pouvoir utiliser une plus large palette de tissus qui sont un peu plus rigides peut-être à la base pour avoir un rendu souple. Voilà, donc je me suis dit que c'était bon. Alors, on préconise des tissus quand même légers comme de la soie, la viscose, le crêpe, le coton, et avec 2 mètres de biais, donc pour faire tout ce qui est bretelles. Alors, pour ma taille, avec mes mensurations, je tombe là encore sur un exact 40. Donc, je suis partie sur un 40, jusque-là, on me suit. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5, elles sont incluses pas... On dit incluse, ça fait bizarre à l'oreille, mais bon, passons. Les marges de couture, ouais, sont inclus. Inclus, hein? Oh, bon, bref, mince, j'ai la flemme de recommencer, donc je vais pas couper, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et elles sont de 1,5 cm. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des côtés, la créatrice a voulu faire découvrir la technique des coutures anglaises, ou découvrir ou faire faire, qui donne un joli rendu, ouais, c'est vrai, sur les tissus légers. Là encore, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai ma surjeteuse. Et depuis que j'ai ma surjeteuse, j'adore juste tout faire à la surjeteuse. C'est tellement rapide que ça me convient. Voilà. C'est un peu pour ça que je ne l'ai pas fait. Et sinon, on a un patron qui est composé juste de... Enfin, un devant et un dos. En le devant avec 2 pinces poitrines qui tombent bizarrement assez bas. Elles tombent ici. Après je trouve pas ça choquant ni gênant, donc c'est pas quelque chose que je vais changer pour ma prochaine version. Sinon on a juste le biais, donc le biais qui permet de choisir exactement où on va le poser après sur le dos, et ce qui permet donc de ne pas avoir le soutien-gorge ou de mettre à la hauteur qu'on souhaite. Par contre j'ai eu une difficulté sur ce patron, c'est par rapport à ma taille. Donc comme je vous disais, j'ai choisi un parfait 40 par rapport à mes mensurations. Et en fait, c'était beaucoup trop grand sur le côté, mais vraiment trop grand, ce qui fait que j'ai dû retirer à peu près 1 cm de chaque côté, mais 1 cm, 1 cm et demi, ce qui fait qu'on arrive en tout sur le patron à quelque chose d'entre, allez, pour être large, parce que je pouvais pas être précise étant donné que je l'ai fait à la surjeteuse, mais entre 4 et 6 cm. Je pense que j'ai retiré à peu près 5 cm de tour en tout, ce qui est énorme. Voilà, donc j'étais quand même bien contente de ne pas avoir fait mes coutures anglaises, sinon ça aurait été la misère à redécoudre. Voilà, donc je comprends pas forcément ce qui s'est passé et comment ça se fait que j'étais pas à la bonne taille alors que je correspond exactement. J'ai pas pris un entre-deux tailles, j'ai pas pris une plus petite, une plus grande. Et là on a une différence qui est quand même énorme. Voilà, donc peut-être qu'il y a une petite erreur à par rapport aux marges de couture. J'ai pu peut-être être au 1 cm au lieu de 1,5. Mais bon, à part ça, ça m'aurait quand même pas fait 5 cm de décalage. Voilà. Donc je pense qu'il taille quand même très grand. Mais une fois que j'ai repris ça donc, à la surjeteuse, j'ai fini ensuite les finitions, etc. Et je trouve top. Du coup, je trouve que cette robe peut se porter avec une petite ceinture pour l'été, ça va être cool. Je pense même à un petit potentiel nuisette, entre guillemets, mais genre un peu quelque chose pour aller dormir. Et sinon, j'en ai fait une autre version en noir que vous allez voir là. Et excusez-moi pour la danse, mais du coup, j'avais mis une danse derrière, j'étais en train de danser dessus. D'où une robe en image, quoi. Un autre petit truc qui me chiffonne, et là, je peux pas savoir c'est dû à quoi. Ici, il y a un petit plus de matière. Mais c'est pas une grosse chiffonnade non plus, parce que ça me gêne pas tant que ça. C'est juste que je l'ai remarqué. Peut-être parce que aussi quand on coud nos vêtements on est vachement critique et du coup je regardais ça, j'étais là, il y a un petit amas, à quoi c'est dû, est-ce que je peux le résorber, etc. Et en fait quand je me suis habillée et avec ça, en fait ça m'a pas du tout choquée, donc peut-être j'ai fait une petite fixette et en fait il n'y a rien de fou quoi.
En tout cas, je l'ai portée au travail, celle-là. J'ai eu plusieurs compliments, j'étais trop contente. Oh, c'est moi qui l'ai faite. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais presque. Et celle-ci, dans la même journée, j'ai eu pas mal de compliments, donc je trouvais ça super cool. Voilà, proud of me. Bon, j'arrête mes conneries. Je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai tout dit. Je regarde juste vite fait mon ordinateur parce que je sais que je note dessus ce que je dois mettre. Non, 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 j'ai rien d'autre. Voilà. En tout cas, bon patron, gratuit, à tenter et je le trouve plutôt cool. Bon bah, à la semaine prochaine. Enfin, on voit plus quoi. On le sait. Bisous, bisous.